Cody Miller, McIntyre, on tourne autour de la raquette. De l'autre côté pour Daniel Landuzic. Il règle la mire. Mais il est à deux points, ouais, je crois. Ouais, il règle la mire, Daniel Landuzic, sur son deuxième shoot. Il est pressant d'y accéder pour justement les faire shooter. Là, Landuzic va justement prendre un nouveau shoot, mais c'est Rovat qui le contre. Ah, il est surveillé, Landuzic. Allez, Rovat. Oh, la balle est récupérée par Cody Miller. McIntyre, attention, il va passer vite, Cody Miller. Ouh là 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 là. On le connaît par sa vitesse. Hein. Avec Stockton, peut-être. Ouais, oh là là, presque, superbe, bien joué là. Il n'aura presque pu avoir la faute, Michael Stockton, qui prend le rebond. Ah, ça n'a pas fonctionné pour Makundu. McIntyre, oh là, superbe le contre. Il a attrapé. J'ai répété en retard. Le ballon pour Fofana. Bangali Fofana et Lucas Seric, ça rentre, ça marche. Allez, à Seric, peut-être. On joue le pick and roll là, c'est superbe. Oui, et voilà. Voilà, bien joué là. Il a bien joué le pick and roll, il est très fort là-dessus, Bangali Fofana. Pour Bangali Fofana. Scrub, Thomas Scrub peut-être. Ah, il a passé les bras. Avec la faute, Thomas Scrub sur Horton. Les Choletais avec Grégor Rovat, une nouvelle fois, bien chargé par Pierre Pelos. Et là, Horton, peut-être, ça rentre pour Chris Horton. Là, dans la raquette, il va essayer de haut panier, Chris Horton, bien chargé par Pierre Pelos, qui n'empêche pas de marquer, même les c'est bras fort. En l'air. Il est fort, Chris Horton. C'est son équipe, c'est un peu son équipe, Cholet, hein, dans cette Jeep Elite. Avec Chris Horton, allez, Horton. Qui se retourne. Voilà. Très très fort Chris Horton, c'est un excellent joueur. Pour Bengali Fofana sous la raquette, mais non, il est obligé de ressortir le ballon et finalement il donne cette balle à Chroma. Chroma qui part. Il y a eu une faute anti-sportive. Anti-sportive de Dette. Les Choletais toujours menés sur le parquet d'Equinox. Oh, belle défense du capitaine. Il va marcher. Mais Chris Horton qui se bat énormément. Allez, capitaine oui, Peacock qui a porté les couleurs de Cholet. Hein. Oui, ça n'a pas duré bien longtemps. Et son rebond, son propre rebond. Cody Miller à 3 points peut-être. Et c'est dedans pour la JL Bourg. On n'a pas renversé le jeu. Et là, du coup, il va falloir se dépêcher à shooter. Et l'interception de Zach Peacock qui déformait. Attention, il avait failli avoir un marché dans Dandouzic. Daniel Dandouzic a bien chargé. Il a renversé même. On décale le capitaine de la JL Bourg, là, Zach Peacock qui est en corner. Superbe la passe de Fofana là. Fofana qui n'a pas pu se saisir du ballon. Et Andouzil qui va prendre le temps pour prendre le shoot à 3 points, ça rentre pour eux. D'ailleurs, tête de raquette, il décale Peacock. Zach Peacock qui redonne à McIntyre. Et ouais, il allait le prendre celui-là. Mais il restait très peu de temps au compteur. Et il l'a pris, McIntyre. Bourg qui attaque sa sixième saison ici à Bourg-en-Bresse. McIntyre. Oh, Alenomic. Superbe. La passe caviar là. Superbe. Le pick and roll bien exécuté là d'Alenomic pour apporter un peu de temps de jeu et se remettre en rythme avant la prochaine rencontre, notamment des Choletais à Boulasek. Regardez là, Cody Miller, McIntyre qui s'est défait de son adversaire. Et il y va face à Makundu. Il évite le contre. Alenomic qui ressort ce ballon. Il a failli le ressortir. Belle prise à deux. Hein. Il était touché, effectivement. Et Thomas Scrub, Kepé, Pierre Pelos. Dani Landuzic en tête de raquette. Dani Landuzic, il le prend, le shoot. Et il est dedans, il demande. Et Bourg-en-Bresse qui prend un peu large, 62 à 36. Bah, la raquette, regardez, toujours fermée, Didier. Michael Stockton avec un tir à 3 points. Voilà, Michael Stockton, c'est lui qui libère enfin Cholet dans ce domaine à 3 points avec ce premier tir. Renversé de côté. Il va prendre le shoot à 3 points, Dani Landuzic. C'est court. Ils sont gênés là, les Choletais. Et Pierre Pelos en tête de raquette. Ça rentre pour Pierre Pelos. Ouais, les Choletais. Gersois qui marque. Ça a pu libérer Pierre Pelos après tout seul à 3 points. Une bonne deuxième chance. Regardez, Julie Alléoupe là de Michael Stockton pour Johan Makundu. Fofana a failli récupérer le ballon, mais c'est pour Stockton qui va peut-être aller au bout. Oh, le contre. Oh, le contre. Le contre de Cody Miller, McIntyre. Et derrière, ça va très très vite. Et les Bressans là qui avaient super absent déroulé. Hein. Et Croman, la scène Croman qui essaye de bousculer Pierre Pelos. S'il n'y arrive pas, Pierre Pelos demande une faute.
Kroma, la scène Kroma, il ouais, va faire prendre le ballon, Thomas Kropp, peut-être il va les dunker, ouais. Le dunk de... C'est plus beaucoup de temps, là c'est Gobitès qui met de la vitesse. Alors qu'on joue déjà depuis bientôt une minute, Luka Seric. Ah oui, la balle est perdue, Yann Miller. Et il y a un autre défenseur, je crois que c'est Makundu qui est venu piquer le ballon. On va faire sa Fofana et là on est déjà de l'autre côté, Yann Miller. La belle passe dans la raquette pour Makundu avec la faute de Luka Seric. Superbe action là, des Choletais. 68 à 46 pour Bourg-en-Bresse. Hugo Benitez, ou la belle passe d'Hugo Benitez pour Bangali Fofana. Ça rentre. Allez, Yann Miller pour Grégor Rovat. De nouveau Yann Miller. Derrière la ligne à 3 points. Oh là, ah. La balle interceptée par Thomas Kropp. Oh, il n'a pas dunké ce coup-là. Allez, Thomas Kropp là. Pour Pierre Pelos, il y va jusqu'au bout. Non, il a été stoppé. Et on prend son propre rebond pour mettre 2 points supplémentaires et on va essayer de rassurer les supporters choletais. Hein. Allez, Lucas Seric, il reste 5-32 à jouer. Oh, super, mais là, ça marche pas. Le alley-hop avec Bangali Fofana est derrière. Peut-être qu'un tonne dimanche, lui, qui va réduire le score pour les choletais. On a remis la tour de contrôle à l'intérieur dans la raquette. Il va y aller, mais regardez Makundu. Très physique, qui va contrer. Et attention, on est encore de l'autre côté avec Carton Dimanche qui joue très bien les... Plutôt bon aussi dans pour l'instant, cette défaite choletaise. Regardez le beau pick and roll là. Oh, il est contré encore par Makundu, j'en parlais justement. Il a été renversé. Gali Fofana, non. C'est toujours compliqué de l'enfoncer. Rovat, il va y aller, double pas. Il ressort pour Vassessa Fofana, 3 points. Dans le corner, Vassessa Fofana, il n'a pas tremblé. Ils ont un autre match à jouer aussi comme la JL Bourg. Et ce seront ceux qui auront le plus donné qui vont... je me suis arrêté parce que Daniel Andusic. Allez, la balle pour Blackes. Blackes toujours. Oh, Rovat, superbe là, superbe. Encore une fois, belle action là de Rovat. Il aurait presque même. Daniel Andusic. La passe pour Bangali Fofana. Ouais, il assure Bangali Fofana. Tout juste dans la dernière minute. Les Bressans qui s'approchent de la barre des symboliques des 30 points. Et Hugo Benitez qui intercepte le ballon, qui va aller tout seul au double pas. Allez, Hugo Benitez. Maxime Courby à 3 points. Ça rentre pour eux. C'est peut-être pas payé pour Cholet, c'est moins 32 points, 91-59. Allez, Blex qui essaye de céder de Max Courby pour aller jusqu'au cercle. Mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Et là, une nouvelle interception de Bangali Fofana. Les Bressans qui vont même aller jusqu'au bout avec Danilo Andusic qui joue le double pas. Sous les couleurs de Cholet. Et là, c'est. Joue à Bourg, bien sûr. Et là, c'est une fin de rencontre. La JL Bourg qui va s'imposer. 93-61. Victoire nette et sans bavure des Bressans qui auront très bien défendu.